Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio. On va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir qu'on va commencer à alimenter tranquillement en pierre tout le système de fonte, hein, globalement. Hop. Comme ça, on pourra être... Oups. Après, tranquille de ce côté-là. Hop. Voilà. Bien chargé. Bon, avec ça va dépoter. Hop, on se débarrasse de ça pour aller chercher ce qu'on peut aussi. Ça va rien, super. Hop. Ok, donc ça déjà, c'est un bon début. Donc on va avoir besoin de toute façon d'électricité, sinon forcément ça va pas bien marcher. Et d'ailleurs tant qu'on y est, on va lancer les recherches. J'aimerais bien avoir les poteaux un peu... Ah maintenant c'est du verre. Bon, on va pas faire les poteaux un peu avancés alors, tant pis. Bon, on va juste faire des bras, voilà. Vrai que là ça commence à manquer un peu le fait de pas avoir de recherche un peu plus... production de recherche un peu plus énervée. Hop, d'ailleurs les vers ça consomme quoi? Convoyeur et bras robotisés, ouais, classique. Donc ça demande tout de suite beaucoup plus de production en fait, parce que rien que les bras robotisés, il faut les petits moteurs électriques. Ça complexifie un peu les choses. Enfin, c'est pas la fin du monde. On va se débrouiller avec. Hop, ça en fait, j'aimerais bien assez vite pouvoir lancer le début de la science, histoire d'être un peu tranquille. Pouvoir aller chercher la science verte, quoi, parce que ça manque. Où est-ce que je vais avoir du courant, moi? Hop. On va mettre deux rangées pour être bien sûr que tout le monde soit branché comme d'hab. Hop. D'ailleurs, il va nous en falloir un peu plus. On va vite être à sec. Voilà. Ça connaître. Ah, oh, ça peut passer. Pas trop droit, hein, mais bon. Hop, voilà. Donc ça, a priori, on est bon. Normalement, ça a mis un gros coup à la demande d'énergie, mais bon. Faire avec. Va pas durer longtemps de toute façon. Ensuite, donc, on va vouloir faire au moins un truc là. Tranquille. Un poil plus, s'il vous plaît. Il va falloir des... bras à balle aussi. Hop, ça c'est déjà fini. C'est ça, hein, je pense qu'on conserve tout de suite, mais bon. Fabriquer aussi, ouais. Hop. Bon, on passera pour finir. Hop. Donc, on avait dit que sur ces trois-là, il y en avait un entier qui devait aller
Pour les circuits verts. Un entier qui va aller au bus, un qui va servir uniquement à faire des plaques de pierre. Ouais, ça va être agaçant là. Hop. Pas très petit ce que je fais là, mais c'est pas grave. Il va même falloir envoyer un truc de pierre, hein. La pierre, on va en avoir besoin quand même en tel quel, je pense. Hop, vérifions usage. Kit de réparation, sable. Oui, il faudra faire du sable aussi après. Briques, bon, ça oui, four. Pour les rails, voilà, rien que ça déjà. En fait, il n'y a vraiment que les rails. Et on va en avoir besoin pour la science de toute façon. Donc il faudra de toute façon de la pierre quelque part sur le bus. Donc on va. Hop. Se garder un peu de place. Histoire de dire. Voilà. Forcément, il y a cette colline relou là. Hop. Non, alors là c'est tout machin par contre. Pas déconner. Hop. On est bon. Et on verra comment on l'amène après. Hein, c'est pas la fin du monde. Donc. Ça aurait été plus simple si on l'avait passé de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, dans l'absolu, il va falloir être capable de le faire transiter par là. On va le faire passer comme ça, je pense. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce qui servira pour les circuits. Comme ceci. Limite là, on va aussi le faire passer par-dessous, comme ça on sera tranquille. Toc, voilà. Donc là on est bon, alors pareil ça va être le gros bazar d'aller tout là-haut. Hop. Ça va être embêtant, ça. Falloir descendre plus bas que prévu, hein. Voilà. Avance les bras là, ouais, j'en ai qu'une quarantaine, mais bon, c'est déjà ça de pris. On va essayer. Non. C'est pas eux que je veux finir, c'est plutôt ceux d'après. Oups. J'ai plus de four non plus. Ok, bah ça on va en faire, hein. Ok, au moins on a une ligne complète qui arrive, c'est déjà ça. On a des magnifiques fuel processors, super. Sais pas ce qu'on en fera de ça, mais bon. Hop, voilà, de toute façon maintenant ça va juste être débloqué des recherches, histoire de dire. Mettre ça dans l'ordre, c'est mieux. La falaise, elle est bien relou.
Alors, la question, c'est comment on va organiser ça? Parce qu'il faut bien voir que là, on va avoir. Si on fait n'importe quoi, on peut vite se bloquer. Hop. Déjà, faisons un peu de place ici. Ne mange pas de pain et on y verra plus clair. Donc, on a dit, nous, il faut qu'on rassemble globalement tout le cuivre. Un seul et même endroit. Celui-là, ça sera le quatrième aussi, donc ça commencera là. Donc ça, par exemple, on va dire que voilà, faut bien marquer que ça va aller par là. Hop. Voilà. Ça, on va plier aussi, comme ça, on sera tranquille. Donc. Voilà, donc les circuits verts, enfin le cuivre en tout cas, on va vouloir essayer de l'amener par ici. Maintenant, comment on va organiser ça? On va se laisser un peu de place, donc on va passer là tranquille. Et après, il va nous falloir un balanceur 8-8. Comme ça. Voilà. Et voilà. On donne les grandes lignes. Voilà, c'est bon, on a fait. Non, ça a débloqué un peu des trucs. Bon, on va le faire histoire de dire. Sans. Pas pour ce que ça coûte. Hop. Faire ça comme ça sera plus simple. Dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, et voilà. Là, on a notre cuivre qui est rangé. On sait où passent nos plaques de fer. Enfin, justement, pour l'instant, uniquement nos briques de pierre. Hop, par contre, on ne construit plus rien, ça ne va pas. Hop, ça met tellement de temps à construire tout que autant charger autant qu'on peut en continu, hein. Hop. Là, ça, on va copier à chaque fois comme ça on sera tranquille. Ok. C'est la nuit que je peux mettre en vrai parce que dans l'absolu, on va vouloir que ça avance. Hop. Toc. Oups. Petit loupé, on n'a rien vu. Voilà. Ça au moins ça va être prêt. Ensuite, là donc c'est la partie où il faut qu'on se fasse les plaques. Et pour ça, est-ce que j'ai un peu des usines? Oui, ça va, j'ai de quoi faire. Et là on va vouloir avoir quatre trucs. Donc idéalement on voudrait que ça ressorte. Peu de place là, voilà. Hop, on va l'aligner ici, comme ça on sera pas mal. Hop, là on va splitter parce que forcément, vu qu'il y en aura 4, on va vouloir. Non, pas comme ça. On va vouloir que en faire deux blocs de la sorte, hein, bien entendu. Et donc là, on a dit qu'on voulait faire les plaques. Voilà.
tablette, ça comme on veut. Hop. Alors la question c'est ça, ça produit à quelle vitesse? Vite, apparemment. Hop. Oui, non, pas du tout. Ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Voilà. Toc, toc, toc. Et donc là, c'est là que ça va être relou parce qu'il va falloir faire passer de l'électricité. Au milieu de tout ce bazar. Et normalement, les termites, elles marchent plus pour enlever les trucs qui sont en mode désélection, je crois. Hein. Ouais, non, ça passe qu'au milieu. Bien dommage. On va faire un petit passage en bas là, tant pis. J'espère que la falaise va pas trop nous embêter. Hop, voilà. En plus, on se fera un petit stock de pierres. C'est pas perdu. Là, il y a plus. Il y a beaucoup plus. Eh ouais, un changement de tactique, ça va être relou aussi. Hop, on va juste se faire passer une petite orangée là pour l'instant, ça sera très bien. Paf, quoique. C'est qu'eux ce qui se connectent au moins, oui. Donc ça, en bas, ça va. C'est pas trop trop débile. Hop. Ouais, là il y a la fameuse colline qui fait chier. Enfin, pas la colline, mais la falaise quoi. Hop. Rien du tout. Hop, ah, on va faire ça comme ça. Hop, on est un peu haut là. Allez les petits rebeux. Relançons encore un peu. Ah oui, non, là, c'est bon, arrêtez-vous, là. On peut commencer à partir là-dedans. Tout à fait. Oui, en plus, ça ne permettait pas de poser des poteaux, ce que j'ai fait. C'était semi-utile. Hop. C'est bon, j'ai plus un seul bras maintenant. Là, donc là c'est bon, il y a eu courant ou pas? A priori oui. A priori on est bon. Ok, donc revenons nos moutons. Tant que faire, on va lancer la science, ça sera fait. Les dégâts de balle, on va pas s'en servir, non, c'est pas grave. Ouais, je vais aller chercher du fer, sinon ça va être vraiment relou. Et après, on réfléchit. C'est marrant ce petit pavé tout chelou là. Allez. Allez. Déjà, première question, ces usines-là, elles tournent à 0,5. Voilà, donc pas vite du tout. Prendre un bon stock, de toute façon, ça aura de quoi faire. Hop. Un peu de cuivre aussi, visiblement. Voilà.
Donc, les usines tournantes à 0,5 et nous, on veut produire des tablettes de pierre qui donc, on en produit 8 par seconde. C'est assez vénère. Il va falloir des bras bleus là, à ce niveau-là, c'est pas possible sinon. Donc, 8, ça veut dire que, en gros, là, chaque machine fait pratiquement, fait assez en fait pour... Alors, voir ça autrement. On va pouvoir s'arranger ça. Hop, genre si on fait comme ça, c'est très bien. Hop, hop, et ben non. Hop, le problème c'est que ça, est-ce qu'on peut l'alimenter? Si on fait ça, ça passe. Ok. Attendez un instant, arrêtez tout. Vouloir quelques trucs comme ça. Hop, à la limite. Hop. Voilà. Donc voilà, même principe, hein. Hop, d'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas carrément... Ça, alors, hop, voilà, tout à fait comme ça. Sauf que ça forcément. Toc. Ok. Donc là, on a dit, ça va être du bleu. Oui non, il marche pas du tout mon truc là. Bah il faut que je faut faire passer là ça, sinon ça marche. Bah non. Dans l'autre sens qu'il faut faire en fait. Hop, comme ça, voilà. Mais maintenant ça fait que j'ai plus la place pour mettre le poteau électrique. Ce qui est bien dommage. Ok. C'est pas du tout si les mes pauvres bras là ils vont tenir les 8 par seconde. Je sais pas, on peut voir combien ça peut. Non. C'est pas bien grave, mais bon. Hop, donc là on va vouloir faire passer. Hop. Voilà. On va relancer ça histoire d'être tranquille. Voilà. Et voilà. Hop, comme ça on a notre balanceur. Et là, on peut se faire. Trucs qui vont là. Allez, zou. Ah, il y a de la falaise aussi là, mais c'est pas possible, il y a de la falaise partout aussi. Et puis en plus, j'ai plus de nanobots. Comme ça règle le problème. Vous pourriez arrêter de vous mettre en nouveau, je m'en fous en fait. Hop. Voilà. Donc ils sont où mes nanobots, ma action là? Ok, donc là on est bon, a priori, on est pas mal.
Ok, et donc ça va descendre là. Là, et là, voilà, voilà. Hop. Voilà, comme ça déjà, ça va tourner un petit peu. Toujours 7 prix. Bon, lui, pas trop faire chier. Ça, je me suis fait chier pour rien. Ok, soit. Hop, bon, voilà, bah les robots de construction, on va dire que c'est bon. Ok, ça c'est plié. Oups, c'est ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va essayer de faire au moins une ligne pour la route quand même. Hop. Voilà. Et ensuite, on arrive à l'endroit où on va pouvoir enfin caler nos circuits électriques. Ça c'est pas dommage. Allez, ouais, forcément, il me pète tout. Génial. Hop. Ok, on va voir nos premiers qui vont sortir ici. Et je vais carrément pas avoir assez de ça. Il a coûté combien lui déjà? Hop. Faut 28 souterrains à Sager et 20. Donc ça va. Bah écoute, hop. En vie. Pas grave. Ok, donc là on a dit que on allait avoir nos trois qui allaient passer comme ceci. Et là on va pouvoir commencer à lancer les la blueprint classique. Parce que bon, on vous rappelle, la recette n'est pas tout à fait la même. Ah, par contre, si il y a du truc à défricher, on va le faire d'abord parce que sinon c'est relou. Hop. Voilà. Plus de place. Et d'ailleurs, on va en lancer un peu en production de ces trucs-là. Hop. Voilà. Donc on disait, hop, même blueprint, parce que en fait, c'est vraiment juste la recette elle-même change, mais au final, c'est il y a juste à remplacer ce qui arrive là, de mettre à la place du fer les tablettes de pierre et ça sera très bien. Hop. Hop. Ça passera bien entendu sous. Si, ah, forcément, il faut que j'en refasse maintenant. Ça commence à venir à manquer. Hop. Et il faut de toute façon que j'en relance là. Oups. Hop. Faudra juste qu'on... C'est bon. Et voilà. Là, à la limite, on peut direct enchaîner sur le splitter, histoire de
gagner un maximum de temps. Très bien comme ça, voilà. Ok, on a tout ce qu'il faut. Bon, ceux-là, on va calmer un petit peu. À la limite, tous les nanobots pour l'instant, pas le plus critique. On est plutôt pour construire de quoi transporter des choses. Hop, voilà. Oula, j'ai pas vu que le temps filait déjà à cette vitesse. Bon, eh ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je pose vite fait ça histoire de dire. Voilà. Je vais reprendre moi entre-temps. De toute façon, je vais produire beaucoup de convoyeurs pour être tranquille. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Salut, salut!